www.casarema.fr. C'est pourquoi les démons entrent dans l'église, parce que vous voulez des serviteurs de Dieu orgueilleux, tout puissants, omnipotents, omniscients et omniprésents. Si l'aveugle voit, le médecin doit dire que l'aveugle voit. Si le sourd entend, le médecin dit « Akomi koyoka » et ça c'est un miracle à ma canisse. Est-ce que nous avons des fils comme l'homme araignée pour vous tirer? Ou je tire, je te 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 tire. Est-ce qu'il y en a? On n'en a pas. Et vous qui êtes derrière les musiciens de ce monde, tu ne sais pas quel est le jour où tu rencontreras son représentant. Nous voulons les vrais miracles. Mais si vous voulez les vrais miracles, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et vous aurez les vrais miracles. Quand tu sens en toi une pensée qui n'est pas de toi s'imposer à toi, va prier. Il se peut qu'un occultiste veut t'imposer sa pensée. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Je prie que Dieu nous parle ce matin et qu'il nous accorde la sagesse de vous dire tout ce que nous devons dire. Amen. Déjà, j'aimerais vous dire que je crois au surnaturel. Amen. Nous ne sommes pas dans un rassemblement des incrédules qui attribuent tous les miracles au diable. Pas du tout. Amen. Nous vivons les miracles. Dieu fait au travers de nous des miracles. Plusieurs ici ont témoigné des miracles. Continue à témoigner des miracles. Nous croyons au surnaturel. Nous croyons que les morts peuvent ressusciter, que les paralytiques peuvent marcher, que les aveugles peuvent voir, que les stériles peuvent enfanter, que Dieu peut élever, enrichir. Toutes ces choses, nous les croyons parce que c'est la Bible. Mais ce n'est pas parce que nous croyons au surnaturel que nous devons croire en tout surnaturel. Car il y a le surnaturel de Dieu et le surnaturel du diable. Amen. Parce que aujourd'hui, au nom du surnaturel, on ne permet pas aux gens de discerner. Alors que la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Et qui dit cela? Un homme très charismatique comme Paul. Amen. Un homme très charismatique comme Pierre, un homme très charismatique comme Jean. Mais ils disent au peuple de Dieu de discerner. Au Congo, celui qui discerne, il n'a pas la puissance, Dieu ne l'utilise pas. Non. Élie était un homme de Dieu oint, revêtu de puissance, mais il discernait les faux prophètes. Amen. Et bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons dit hier, après le message de Dave, l'Esprit de Dieu m'a dit clairement, fini la diplomatie et la guerre a commencé. Une fois, j'ai causé avec un homme de Dieu qui est un grand docteur de la parole de Dieu. Et je lui ai dit, pourquoi depuis tous ces temps, vous ne dénonciez pas les mauvaises pratiques dans l'église? Il m'a répondu, il m'a dit, c'est parce que je ne voulais pas que nous donnions l'impression au monde que l'église est en guerre contre elle-même. Mais là, nous commençons à parler parce que nous sommes rendus compte en soi que certains qui étaient au milieu de nous n'étaient pas de nôtres depuis le commencement et il faut clairement parler à présent. C'est pourquoi vous voyez un mouvement de Dieu aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Des hommes de Dieu comme Roland Dallot qui ont donné un enseignement sur un évangile nouveau qui détruit l'église, le pasteur de la borne à Ipen qui a parlé de l'église en danger, le pasteur Sita qui clairement le 30 décembre au stade d'Arta Raphaël a décidé que cette année il enseignera clairement sur les fausses doctrines des personnes qui ne se sont pas entendues mais saisies par un esprit, l'esprit d'Élie, pour dénoncer ce qui est faux. Frères et sœurs, vous savez, lorsque il y a un microbe qui entre dans le corps,
les globules blancs doivent réagir. Et quand les globules blancs réagissent, il y a la fièvre. Amen. C'est pourquoi il y a comme une fièvre dans le corps du Christ. C'est parce qu'il y a maintenant la guerre claire entre le vrai et le faux. Bien-aimés, préparez-vous à voir maintenant dans l'Église deux camps. Les vrais d'un côté et les faux d'un autre côté. Où les choses seront claires. Où vous verrez certaines personnes qui ne prêchent jamais dans certaines conventions et certaines personnes qui ne prêchent jamais dans certaines conventions. Les choses seront claires. Ce ne sera plus quelqu'un qui prêche partout. Non. Ces choses-là sont en train de finir parce que Jésus revient bientôt. On doit dire les choses clairement. Pour que ceux qui aiment la vérité suivent la vérité, ceux qui aiment les mélanges et qui aiment s'amuser à l'église, qui continuent à s'amuser. Et là, c'est le rôle aussi du ministère. Le ministère, bien-aimé, c'est aussi préciser les choses. Lorsque les prophéties de la femme qui avait l'esprit de Python étaient floues aux yeux de tout le monde, Paul, en prenant autorité sur l'esprit de Python, avait clarifié que ce n'était pas l'esprit de Dieu qui parlait en elle. Alléluia. Servir Dieu, ce n'est pas seulement ouvrir la Bible et prêcher, mais c'est aussi protéger le peuple de Dieu contre la fausseté. Le roulage est là, afin de vous aider à bien circuler, mais il est aussi là pour empêcher des accidents. Alléluia. Ainsi, il peut ravir le permis de conduire à quelqu'un qui conduit mal, parce qu'il peut tuer 100 personnes en une seule journée. Ça aussi, c'est son rôle. Amen. Sachez aussi, bien-aimés, que nous ne vous prêchons pas pour vous plaire. Nous vous prêchons seulement pour être fidèles à notre appel. Alléluia. Aujourd'hui, je veux dire des choses clairement et profondément. Et je vous prie de nous suivre. C'est la continuité des enseignements que j'ai commencé sur les pratiques occultes et les choses qui invitent Satan. Genèse 3, versets 1 à 5 nous dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Et là maintenant, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La principale tentation et la première tentation, la tentation originelle, avait comme but de faire de l'homme un dieu. Ils étaient déjà créés à l'image de Dieu, mais ils en voulaient plus. Ils voulaient être des dieux, pas en minuscule, mais des dieux en majuscule, parce que Dieu les avait déjà créés à son image et à sa ressemblance. Adam et Ève étaient des petits dieux. Mais Satan, lorsqu'il vient leur parler, il leur dit « Non, Dieu est mauvais. Il veut être le seul dieu en majuscule et vous des petits dieux en minuscule. Si seulement vous mangez, vous connaîtrez tout ce qu'il connaît. Vous serez comme lui, donc des dieux en majuscule. » Et c'est ça le but de l'occultisme. Faire de l'homme un dieu en majuscule. Attirer l'homme pour lui dire qu'il peut avoir le pouvoir de Dieu. C'est pourquoi dans l'occultisme, on aime beaucoup parler du surnaturel, du surnaturel. Tu peux avoir un pouvoir surhumain, tu peux avoir un pouvoir qui dépasse celui des autres, tu peux contrôler les choses, quelque chose d'attirant. Mais derrière cela,
et à la puissance satanique. Lorsqu'ils ont mangé pour devenir comme Dieu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus, parce que Dieu avait la capacité de connaître le bien et le mal sans être détruit, mais eux, quand ils ont connu le bien et le mal, cette connaissance les a détruits. C'était par amour que Dieu leur avait gardé de connaître le bien et le mal, et de ne connaître que le bien. Dans toutes les pratiques occultes dont je vais parler ce matin, le seul but du diable, c'est d'amener l'homme à être le Dieu de lui-même. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le New Age. Le New Age est une doctrine occulte où on dit à l'homme qu'il n'a pas besoin de Dieu. Lui-même est le Dieu de lui-même. Il n'a qu'à développer sa pensée, développer son esprit, développer son potentiel. Et les enseignements du New Age sont entrés dans l'Église sous forme d'enseignements sur le succès, sur la prospérité, sur la victoire, où on te parle de ton intelligence, de tes capacités, mais on ne parle pas de la place de Jésus-Christ dans ta vie. Comme si l'homme peut se développer par lui-même, réussir par lui-même sans avoir besoin de Dieu, c'est du New Age. Un prédicateur du New Age peut se tenir sur cette chair. Si tu ne connais pas la parole, il va prêcher du début jusqu'à la fin et tu vas dire amen. Et parce qu'il va te dire que tu as quelque chose, tu dois te développer, tu dois réussir. C'est pourquoi cette infiltration des enseignements sur le management, sur le marketing dans l'église, sur le développement personnel dans l'église, il faut bien les discerner. Parce que le New Age se cache aussi derrière de tels enseignements où on fait croire à l'homme qu'il n'a besoin que de management et de marketing pour se développer, alors que sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. À l'église, il faut qu'on prêche la croix, qu'on prêche la part de Dieu, ce que Dieu peut faire pour l'homme. Pas seulement prêcher à l'homme ce qu'il peut faire pour lui-même, cela n'est pas l'église. Amen. Cela peut être une conférence sur le succès, mais cela n'est pas une prédication. Amen. Je veux vous parler aujourd'hui de 5 ou 6 choses. Je veux vous parler de la télépathie. Je veux vous parler de la télékinésie. Je veux vous parler de l'hypnose, du dédoublement, de la lévitation et des voyages, du voyage astral, qui sont des pratiques occultes. Commençons par la télépathie. J'en ai un tout petit peu parlé le dimanche. Qu'est-ce que la télépathie ? La télépathie est une pratique occulte qui consiste à causer au moyen de la pensée et à lire les pensées des autres, ou même à diriger les autres moyens de la pensée, à donner des ordres aux autres au moyen de la pensée. Et le but de la télépathie, c'est être comme Dieu, omniscient, tout connaître comme Dieu. 1 Chronique 28, verset 9 dit « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. » C'est Dieu qui pénètre toutes les pensées. C'est seulement Dieu qui pénètre toutes les pensées. Mais la télépathie s'oppose à ce verset et veut que l'homme puisse pénétrer toutes les pensées. Bien-aimés frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas besoin de téléphone, qui n'utilisent pas de téléphone, mais qui ont d'autres téléphones qu'on appelle la télépathie, une communication occulte, où quelqu'un peut parler avec un autre sans moyen de télécommunication, où il peut lire ce que tu penses, où il peut commencer à te conduire, à te diriger par la pensée. Tu
tu es face à lui, mais dans le cœur, il est en train de dire des choses que tu dois faire et tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne voulais pas faire parce que au moyen de sa pensée, il contrôle ta pensée. Et cette pratique occulte, des fois, vient se retrouver dans l'église sous la forme du don de parole de connaissance. Parce que celui qui a le don de parole de connaissance, il peut connaître aussi ta pensée. Il peut connaître ce que tu as fait hier. Il peut connaître ce que tu penses. Mais voici, la Bible dit, dans 1 Corinthiens 12, versets 7 à 8. Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Le Saint-Esprit ne nous donne pas toute la connaissance, mais nous donne une partie de la connaissance. Mais la télépathie vient te dire que tu peux tout connaître, alors que le don de la parole de connaissance te donne une partie de connaissance, mais ne te rend pas omniscient. Amen. Comment tu peux discerner la télépathie dans l'église ? C'est lorsque quelqu'un veut prétendre qu'il peut connaître tout, tout le temps. C'est lorsque quelqu'un ne reconnaît pas qu'il ne connaît pas tout. Voyez dans la parole de Dieu, Balaam, lorsqu'on le présente, on dit l'homme qui fléchit les genoux et les yeux s'ouvrent. Mais le jour où l'ânesse voit un ange, Balaam n'avait pas vu. Et Balaam reconnaît et dit, je ne savais pas. Le grand prophète Jacob dit, Dieu était ici et je ne le savais pas. Le grand prophète Élisée dit, l'enfant de cette femme tsunamite est mort et moi je ne le savais pas. Mais lorsque quelqu'un dans l'église veut jouer au omniscient, sachez que c'est la télépathie. Un serviteur de Dieu te dit ça, Dieu ne m'a pas dit. Mais un serviteur de Dieu qui dit, je peux dire tout sur tout le monde, c'est archi faux. Paul dit, nous prophétisons en partie, nous connaissons en partie. Téléphonez-moi, quiconque me téléphone, je lui donne une prophétie. C'est de la télépathie, ce n'est pas un don spirituel, car Dieu ne nous rend pas omniscients. Mais quand maintenant nous tombons dans l'orgueil de toujours défendre nos ministères, nous parlons de la part de Dieu même lorsque Dieu n'a rien dit, parce que tu dois défendre le titre que tu es, prophète. C'est pourquoi faisons attention de la manière dont nous invitons les gens à la chair, ça peut les pousser à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. C'est un homme de Dieu, quand il te regarde, il te dit toute ta vie. Déjà quand tu l'invites comme ça, il doit démontrer que s'il te regarde, il va te dire toute ta vie. Invitons les gens humblement à la chair pour qu'ils ne tombent pas sous le piège du diable, car la présentation d'un serviteur de Dieu peut déterminer ce qu'il fera. Alléluia. 1000 personnes viennent devant toi, tu as 1000 prophéties sur tout le monde. Oui, Dieu peut faire ça un jour, mais tout le temps, c'est pourquoi je ne crois pas aux prophètes qui prophétisent tout le temps. Moi, je ne crois pas aux prophètes qui prophétisent tout le temps. Parce qu'il y a un temps où Dieu parle à Élisée, un temps il lui parle rien. Il le pouvait voir Géasi en train de prendre les biens de Naaman, mais il ne pouvait pas voir l'enfant de la tsunamite mourir. Pourquoi? C'est à Dieu seul qui a l'omniscience. On parle de la parole de connaissance, on ne parle pas de la connaissance. Alléluia. Où maintenant les gens veulent s'amuser à devenir des dieux à l'église. Où les prophètes maintenant veulent devenir dieux à l'église pour vous révéler que eux sont omniscients. C'est de la télépathie. C'est de la télépathie au nom du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le feu étranger, mais dans le temple. Un feu, mais un feu qui vient de l'extérieur.
Toi qui as un don de prophétie, pourquoi tu aimes tout le temps démontrer aux gens que tu connais les choses? Vous pensez que Dieu est un orgueilleux? Vous pensez que Dieu est un orgueilleux et qu'il peut donner sa gloire à un homme? Un jour, tu t'attendras à prophétiser, Dieu ne parle pas. Un autre jour, tu t'attends à rien ne voir et tu vois tout. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Lorsque vous remarquez dans l'église qu'un prophète veut jouer à l'omniscient, un prédicateur veut jouer à l'omniscient, faites attention, même lorsque vous vous réunissez dans les intercessions. Oui, vous savez, il y a des gens qui n'ont que des dons que lorsque le pasteur n'est pas là. Ici, il ne va même pas prophétiser un tout petit peu, parce que je vais dire, tu mens. Il attend quand vous êtes à 10, à 20. Nzamba lobiga. Parle maintenant ici, parle maintenant ici. Toi qui parles toujours à l'intercession, prophétise maintenant ici. Pourquoi tu ne prophétises jamais ici? Tu prophétises seulement lorsqu'il y a 10, 20 personnes. Tu ne prophétises que parmi les faibles spirituels. Là où il y a la connaissance de la parole, tu ne prophétises jamais. Là où on a enseigné la Bible, tu ne prophétises jamais. Mais là où il y a des faibles, là, je suis en train de voir, je suis en train de sentir. Tu es un menteur. Prophétise maintenant, si tu es prophète, parle maintenant, qu'on puisse te discerner. Car il est écrit, lorsqu'un prophète prophétise, que d'autres le jugent. Maintenant, tu veilles à ce qu'il n'y ait aucun prophète véritable autour pour prophétiser, parce que tu sais que là, personne ne va te juger. Faites attention à cette personne qui, à l'église ici, après les cultes, vous cherche pour vous donner des prophéties. Après les cultes, c'est là où il commence le ministère, dehors, là-bas. Ils exercent des prophéties dehors, là. Jamais ici, pendant le culte, quand la présence de Dieu tombe, jamais. Certains même que vous appelez prophètes, qui ne sont même pas reconnus prophètes à l'église. Vous avez déjà entendu, j'appelais ces frères-là prophètes. Prophète, prophète, prophète. Moi, je l'appelais prophète. Prophète Zonzing. Pourquoi ton don de prophétie, de parole, de connaissance a peur de la doctrine? Pourquoi si tu vas dans une église de l'Ohengé, là le don agit? Si tu vas dans une église où la parole est établie, du coup le don n'agit pas. C'est les démons qui a peur de l'Esprit de Dieu et de la vraie parole. Vous allez voir des gens, ils prophétisent sur tous les faibles, mais si tu es sérieux, ils ne te voient, ils ne voient rien en toi. Quand tu crains Dieu, il va dire tout sur tout le monde, mais toi, il ne dit rien. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas lire en toi. Toi, tu es caché dans le lieu céleste, c'est pourquoi. Et il y a des gens qui se plaignent. Comment on a prophétisé sur tout le monde, sur sauf sur moi? Parce que toi, ton esprit est caché, ta pensée est cachée. Il ne voit rien, il ne peut pas te capter. Maintenant, tu rentres à la maison, Dieu ne m'aime pas, il ne m'a pas parlé. Non, Dieu t'aime beaucoup, c'est pourquoi il n'a rien vu sur toi. Pourquoi moi, il n'y a jamais de parole sur moi? Pourquoi moi? Parce que toi, tu es trop fort. Tu es trop fort. Il n'arrive pas à te manipuler. Lorsqu'il te regarde, il sent qu'il ne peut rien dire sur toi. Et vous vous plaignez. Vous n'aimez pas les hommes de Dieu humbles qui reconnaissent leurs limites. Qui reconnaissent que ça, je ne sais pas. Prions Dieu qui me montre. Vous voulez toujours des hommes de Dieu qui connaissent tout sur tout. Oh pasteur, j'ai perdu telle chose, c'est où? Ah, tu l'as perdu où? Dans le bus. Maintenant, c'est où? Que moi j'ai pris, que je cherche où est ton téléphone à cette heure-ci. Je ne sais pas. Mais Dieu peut me montrer, je te dis. Mais je ne sais pas. Vous ne voulez pas entendre, je ne sais pas. Même dans la Bible, je ne connais pas tout. Tu peux me demander un verset, j'ai dit, attends que je le cherche. Tu es choqué? Tu veux que je te donne un faux verset? Vous voulez l'orgueil. Vous voulez l'orgueil. C'est pourquoi les démons entrent dans l'église, parce que vous voulez des serviteurs de Dieu orgueilleux, tout puissants, omnipotents, omniscients et omniprésents. C'est pourquoi ils deviennent omniprésents et omnipotents et omniscients. J'ai été touché une fois que je suis allé à l'école biblique. Un professeur nous donne cours, il revenait des États-Unis. Et on lui a posé une question. Il a dit qu'il ne savait pas. J'ai été étonné, un professeur. Il dit, je ne sais pas, demain, je vais vous expliquer. Je vais aller demander, poser la même question à mon père spirituel qui m'a envoyé.
Et il est allé la poser. Le lendemain qu'elle est venue, il nous a convaincus. Et j'étais touché par son humilité. Mais le Congolais n'est pas touché par l'humilité. Si j'enseigne un truc aujourd'hui, et demain je reviens, je dis, excusez-moi, j'ai enseigné des faussetés, pardonnez-moi. Vous allez du coup douter de tout ce que j'enseigne. C'est pourquoi au Congo, si quelqu'un enseigne mal, il ne sait pas se repentir parce que vous, vous n'aimez pas l'humilité. Il va continuer avec, parce qu'il sait que s'il se répand, vous ne croirez plus en lui. Mais en Europe, quelqu'un peut faire un livre et il se rend compte que c'était des fausses doctrines, il revient. Il dit, pardonnez-moi, c'était des fausses doctrines. Venez reprendre votre argent. Rendez-moi mes livres, je vais les brûler. Demain, il écrit un autre livre, on l'achète. Mais vous, vous n'achèterez plus. C'est pourquoi les gens demeurent dans des fausses doctrines parce que vous ne consommez que l'orgueil. Aime un prophète qui te dit, aujourd'hui, je n'ai rien vu. Il est sincère. N'aime pas celui qui s'arrange toujours à la fin de la prière de te trouver un truc à te dire. C'est souvent la cupidité et c'est souvent l'orgueil. Et si même vous voulez qu'il dise toujours, bien-aimé, vous savez que si vraiment un vrai prophète se tient ici et que tous les jours il dit des choses, trop panzana, pobilouakomona. Donnez-moi la main. C'est au Congo, c'est un prophète vient, les gens viennent très nombreux. Prophète Jérémie en train de prophétiser, vous viendrez nombreux. Prophète Miché en train de prophétiser. Séminaire de 10 jours avec le prophète Miché, tu viendras. Tu viendras. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, vous qui vous dites prophète, un vrai prophète n'est pas populaire. Un vrai prophète n'est pas aimé. Il dit des choses souvent désagréables parce que les gens ont une vie désagréable. Je connais un prophète qui pouvait entrer dans votre maison et puis il dit, je sens l'odeur de l'impudicité dans cette maison. Quand tu prends votre maison, tu changes en ghetto. Lui, il sent tout ça. Est-ce que tu vas l'inviter beaucoup? Tu vas l'inviter beaucoup, tu le salues comme ça et dis, je sens l'odeur de la masturbation. Toi, tu vas le saluer beaucoup. Les vies que vous menez là, si des vrais prophètes s'étaient ici, n'est-ce pas que vous n'allez même pas regarder? Chacun va regarder en bas. Parce que si ton regard croise avec le sien, il te révèle ta vie. Je crois qu'il n'y aura que 50 personnes qui vont rester ici. Parce qu'on va te révéler comment tu as eu tes bijoux, tes cabellos, tes mèches et tout le reste. Alléluia. Quand tu sens en toi une pensée qui n'est pas de toi s'imposer à toi, va prier. Il se peut qu'un occultiste veut t'imposer sa pensée. Quand tu sens une pensée s'imposer à toi, ou quand tu rencontres quelqu'un, tu as du mal à dire ce que tu penses, mais tu subis toujours ce qu'il pense, va prier. Il se peut qu'il te domine. Un jour, quelqu'un vient et me dit, je veux que tu prêches ça. Et quand il te dit, c'est comme si il te donne même pas le choix de dire oui ou non. J'ai dit, non, moi je suis Manalemba. Amen. Hein? J'ai dit, je ne prêche pas ça. Je ne comprends pas ça. Je prêche pas ça. Devant lui, je prêche pas ça. Tu m'amènes où tu veux, je prêche pas ça. Comment à mon âge là, tu vas m'imposer ce que je dois prêcher? Je prêche pas ça. Si tu vas pas m'inviter dans ta grande église, laisse-moi tranquille. Déjà, prêcher la compassion, c'est trop de boulot. Car cette chose des portes, une porte s'est ouverte, une connexion. Toute connexion n'est pas une connexion, toute porte ouverte n'est pas une porte ouverte. Vaut mieux prêcher dans une petite église où tu prêches la sainte doctrine que prêcher dans une grande église où tu vas prêcher des hérésies. La télékinésie est une pratique occulte qui consiste à bouger les objets et les personnes à distance par le pouvoir, pas de Dieu, mais le pouvoir de la pensée. La télékinésie est une imitation de Dieu. Voyez Dieu
Il a créé la rotation et la translation. Qu'est-ce que la rotation? Qui connaissent la rotation? C'est le fait que la Terre tourne autour d'elle-même. C'est-à-dire que c'est un objet qui tourne autour de soi-même. Et il est impossible de tourner si personne ne t'a tout fait tourner. Donc Dieu est celui qui bouge les planètes. Amen. Hein? Et il y a la translation. Maintenant, le diable aussi veut faire bouger les choses. C'est pourquoi il y a des gens, il peut regarder ce pot et puis le pot tombe. Il peut regarder ce vase et puis le vase tombe. Il ne touche pas de loin, il le fait. Parce que le diable aime imiter ce que Dieu fait. Et la télékinésie aussi peut venir dans l'église au nom de l'onction lorsque on veut faire tomber les gens et on veut manipuler les gens au moyen de la pensée. J'en ai parlé dimanche et j'aimerais le redire encore. Car lorsque cette pratique a commencé, on a trouvé que c'était quelque chose de banal. Mais cela est devenu une maladie répandue dans le corps du Christ. Et les gens pensent que cette télékinésie, c'est de l'onction alors que c'est une pratique occulte. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Amen. Hein? La Bible ne dit pas que vous contrôlerez les gens avec vos mains. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades, mais la Bible ne dit pas que nous allons téléguider vos corps au moyen de nos mains. Ou je fais ça, le frère se tient debout, je fais comme ça, il vient, je fais ça, il tombe. C'est écrit où dans la Bible? Est-ce que Pierre faisait ça? Paul faisait ça? Jésus faisait ça? Qui faisait ça dans la parole de Dieu? Même tous ces grands hommes qui ont commencé le réveil puissant, qui ont bougé le monde par des vraies conversions, n'ont jamais fait cela. Mais on voit un Nigérien commencer à le faire. Tout le monde commence à le faire. C'est de la télékinésie. C'est de la télékinésie. Est-ce que nous avons des fils comme l'homme araignée pour vous tirer? Ou je tire, je te 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 tire. Est-ce qu'il y en a? On n'en a pas. Arrêtons de vous mystifier des choses. Amen. Hein? Il n'y a rien ici. Il n'y a que la grâce de Dieu. Il n'y a pas une initiation spéciale à l'imposition des mains. Vous imposerez les mains aux malades au nom de Jésus. C'est fini. Il n'y a pas une manière spéciale. Ce n'est pas biblique, c'est de la télékinésie. Dieu veut que sa puissance se manifeste et la manifeste comme il veut. Il peut vouloir que vous puissiez tomber et vous tombez. Il peut vouloir que vous ne puissiez pas tomber et vous ne tombez pas. Mais Dieu ne vient pas faire le spectacle à l'église parce qu'il y a un trop grand travail de convertir les cœurs. Et c'est vous la jeune génération qui aimez cela. Et je ne cherche pas votre amour, je ne cherche même pas votre approbation. Au moins vous aurez entendu quelqu'un qui a dit le contraire. La télékinésie. Je suis malade, prie pour moi que je guérisse. Mais pourquoi tu vas me faire promener sur toute l'estrade? J'ai un démon, chasse-le. Pourquoi tu vas me faire tourner? Il arrive des fois, compris, la personne elle-même commence à tourner, elle-même. Mais ce n'est pas que moi maintenant, je commence, je te fais ça, je te fais ça, je te fais ça, je te fais ça, tu tournes, tu tournes, je te fais ça, tu vas comme ça, je tourne, je tourne. Et puis quoi? Pour montrer quoi? Que j'ai la capacité de quoi? C'est la télékinésie. Alléluia. Dis l'hypnose. L'hypnose, c'est quoi? C'est un état de conscience intermédiaire entre la veille et le sommeil provoqué par la suggestion. Retenez ça. C'est un état de conscience intermédiaire entre la veille et le sommeil. C'est-à-dire que tu ne dors pas et tu n'es pas réveillé, tu es au milieu. Mais tu es atteint un tel niveau quand on te suggère des choses par la suggestion. Par la suggestion. Et celui qui y pratique l'hypnose, c'est un hypnotiseur. Et il te met dans un état hypnotique.
Et quand quelqu'un va chez un hypnotiseur, car il y a même des médecins, la médecine qui utilise maintenant l'hypnose, on te dit, regarde cette boule qui fait ça. Tac, 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 tu regardes. Tac, tac, tac. Et on dit, à 10, tu vas dormir. N'est-ce pas? Tac, 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 1, 2, 10, bouh, oh là là. Et puis on commence à te dire, rentre en arrière. Quand tu étais bébé, tu rentres, quand tu étais bébé, tu commences à pleurer comme un bébé. Ah oui. Rentre en arrière quand tu étais un poisson, parce qu'ils croient en l'évolution de l'homme, que l'homme est sorti du macaque. Jusqu'à ce que tu étais macaque. Et tu commences à faire comme un macaque. Ah, vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas qu'aujourd'hui en Europe, on peut te faire accoucher par hypnose et tu n'as pas de douleurs d'enfantement? Ah oui, ça fait maintenant partie de la médecine. Où tu n'es ni endormi, ni éveillé, tu ne sens rien, mais tu es là, mais tu n'es pas là. Mais provoqué par la suggestion. Et quel est le but de l'hypnose? T'amener à un niveau où tu ne réfléchis pas. Lorsque tu entres dans une église et tu entends, ici il ne faut pas beaucoup réfléchir, ce n'est pas de Dieu. Il faut réfléchir. Le cerveau n'est pas la sorcellerie pour laisser le cerveau dehors quand on entre à l'église. Je répète, le cerveau n'est pas de la sorcellerie pour laisser ton cerveau à la porte quand tu entres à l'église. Quand tu entres à l'église, il faut réfléchir. C'est Dieu qui t'a donné la capacité de réfléchir. Dieu ne dit pas « croyez seulement ». Non, la Bible dit « n'ajoutez pas foi à tout esprit, il faut réfléchir ». Lorsque on veut créer des gens qui ne font que croire et qui ne réfléchissent pas, on peut les hypnotiser facilement parce que le but de l'hypnose, c'est enlever la réaction, enlever plutôt la réflexion. Un pasteur en Afrique du Sud se tient debout et il dit aux gens, dehors là-bas, vous voyez la pelouse? Oui, c'est une bonne nourriture pour votre santé. Allez brouter. Les gens se tiennent debout comme ça. Tout le monde part. Et ils commencent à manger la pelouse. C'est de l'hypnose parce que là, tu ne réfléchis pas. Et si un chien est passé par là et il a fait ce qu'il a fait, tu es béni. Ici, on ne réfléchit pas, croyez seulement, c'est du dogmatisme. Je dois réfléchir, je dois méditer. Amen, hein? Gardez l'intelligence. C'est pourquoi il y a des gens, plus ils prient, plus ils deviennent bêtes. Ce n'est pas la Bible. Si quand tu étais dans le monde, tu étais intelligent, plus tu pries, plus tu n'es plus intelligent. Ce n'est pas la parole de Dieu. Dieu donne l'intelligence et il donne le discernement. Ou vous croyez seulement? Pourquoi tu fais ça? J'ai fait seulement. Pourquoi tu crois ça? Je crois seulement. Non, je crois en Jésus-Christ parce que il est mort à ma place. Il a versé son sang, il est mort et ressuscité. Ce n'est pas que je crois, mais croira. Non, ma tête aussi a fonctionné. Pourquoi alors nous enseignons? Nous enseignons pour qu'on convaincre. Mais si tu arrives à un endroit où on dit on ne réfléchit pas, on peut t'hypnotiser. Vous allez voir, dans Actes, lorsque Pierre va en extase, est-ce qu'il avait provoqué l'extase? Il dit, j'étais allé pour manger. Et pendant qu'on me préparait la nourriture et que je priais, tout d'un coup je fus ravi en extase. Il n'a pas provoqué cela, mais c'est Dieu qui l'a provoqué. Je ne peux pas me tenir ici et te dire, tu dois aller en extase. Non, c'est Dieu qui décide de t'amener en extase. Voilà. Pour vous qui faites les services, voici comment est-ce que tu peux tomber dans l'hypnose sans savoir. Suivez bien. Quand tu te tiens à la chair pour faire un service de puissance, tu peux opérer dans l'hypnose ou tu peux opérer dans la foi. Comment? Je prie le Seigneur à la maison et il me dit qu'aujourd'hui l'onction va tomber sur les gens, certains vont tomber et tout le reste. Je viens devant la chair, j'ai dit, quand j'étais en prière, l'Esprit de Dieu m'a dit qu'aujourd'hui la puissance va tomber et tout, je l'annonce. Mais s'il m'a rien dit,
Mais c'est ma volonté humaine. Et je dis maintenant, levez-vous. Maintenant, les gens vont tomber. Maintenant, les gens vont tomber. C'est de la suggestion. Maintenant, les gens vont vomir. Maintenant, les gens vont vomir. Est-ce que Dieu t'a dit que les gens vont vomir? Non. C'est toi-même qui veux. C'est de l'hypnose. Tu es en train de les suggérer de vomir. Et s'il croit, il va vomir. Mais ce n'est pas l'esprit, c'est l'hypnose. Parce que si on t'hypnotise, tu feras tout ce qu'on te dit. Tu pries et tu sens le feu de Dieu. Et Dieu te dit qu'il veut répandre son feu, dis-le. Mais si tu ne sens pas le feu et tu ne vois pas le feu, tu commences à inventer de feu, tu fais l'hypnose. Monte. Hypnotiseur. Ah oui. Ah oui. Si Dieu ne te dit rien, ne dis rien. Si je prie, il me dit qu'il va toucher 10 personnes, je dis Dieu va toucher 10 personnes. Si il me dit rien, je ne dis rien. Car si je dis que Dieu va toucher 10 personnes et qu'il n'a pas dit, c'est l'hypnose. Vous comprenez la portée de ce que je vous dis, frère? C'est ainsi que tu peux être en train d'opérer avec le feu étranger, mais tu penses que tu opères avec le Saint-Esprit, parce que lorsque seulement la volonté de l'homme remplace la volonté du Saint-Esprit, il entre dans autre chose. Ne créez jamais des atmosphères de puissance que le Saint-Esprit n'a pas créées. Je répète, ne créez jamais des atmosphères de gloire que l'Esprit de Dieu n'a pas créées. Un jour, tu te tiens à la chair, il y a une forte atmosphère, gloire à Dieu. Le jour où il n'y en a pas, n'invente pas pour créer l'atmosphère. Où tu vas inventer les langes là-bas, le feu là-bas, la colonne là-bas, la nuée là-bas. Tu ne vois rien de rien, tu es en train d'hypnotiser les gens. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois toujours être sincère et franc avec toi-même lorsque tu prétends servir Dieu et accepter les temps où le Seigneur décide de t'utiliser normalement. Sinon, tu vas hypnotiser le peuple de Dieu. Maintenant, vous allez tomber. Maintenant, vous allez tomber. Maintenant, vous allez... Non, toi, prie pour seulement. Si on va tomber, qu'on tombe. Si on ne va pas tomber, on ne tombe pas. Maintenant, vous allez tomber. Maintenant, vous allez tomber. Maintenant, vous allez tomber. Maintenant, vous allez tomber. Non. Dieu va descendre, il va nous toucher. Amen. Et s'il veut qu'on tombe, on tombe. S'il ne veut pas qu'on tombe, on ne tombe pas. Mais il ne faut pas prédisposer les gens à des choses que Dieu ne t'a pas révélées. Mais s'il t'a révélé, tu parles, c'est une prophétie que tu annonces. Mais s'il n'a pas révélé et tu veux que les choses arrivent comme ta volonté, c'est l'hypnose. Est-ce que vous comprenez la différence? Alléluia. Batubako ganga awa, batubaso ganga awa, batubako ganga awa. Est-ce que Dieu t'a dit que batubako ganga awa? Est-ce que Dieu t'a dit ça? Si Dieu ne t'a pas dit ça, c'est de l'hypnose. Parce que l'hypnotiseur te dit, je compte de 1 jusqu'à 5, tu dors. Et même aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui font dormir toute l'église. Vous imaginez ça? Je compte jusqu'à 7, tout le monde va dormir. 1, 2, 7, pongi, penza, boke, pongi. Pourquoi il faudrait que tu dors pour voir Ève? Et puis tu commences à ronfler, tu dors. Bien-aimé, un voleur aimerait une telle église. Là, j'entre dans vos poches et je m'en vais. Dis feu étranger. C'est un feu qui ressemble au feu de Dieu, mais qui n'est pas le feu de Dieu. Le dédoublement. Qu'est-ce que le dédoublement? Le dédoublement, c'est une pratique occulte qui consiste à être au même moment à des endroits différents. Au même moment à des endroits différents. Mais sachez ceci, que c'est toujours une imitation de Dieu parce que Dieu est partout. Amen. Maintenant, l'occultiste veut être Dieu, il se dédouble.
Il veut être au même moment ici à l'église et chez lui à la maison. Écoutez ceci. Lorsque quelqu'un se dédouble, il y a toujours un vrai lui et un faux lui. Il y a lui dans un endroit et l'autre qui est là-bas n'est pas lui, c'est un démon. Alléluia. Mais Dieu est lui partout. Alléluia. Le Dieu qui est ici, c'est le même qui est en Océanie, en Chine et partout. Mais dans le dédoublement, le vrai toi est quelque part et le faux toi te représente quelque part. Et les occultistes pratiquent le dédoublement dans le domaine des rendez-vous. Il a un rendez-vous, mais il sent qu'il n'est pas à la hauteur du rendez-vous. Un esprit va le remplacer. Il parle parfaitement anglais, très intelligent. Tu dis vraiment, hier j'étais avec toi, tu étais très intelligent, c'était pas lui. D'autres même dans des clips, tu penses que c'est lui qui est en train de danser terriblement, mais ce n'est pas lui. D'autres même pour coucher avec des filles. Nous avons entendu il prend 10 filles, il met dans un hôtel, dans 10 chambres. Toutes les filles le matin témoignent qu'elles ont dormi avec lui alors que lui n'a dormi avec personne. Mais sachez ceci, dans le dédoublement, il y a une limite qui est faite aux démons. C'est seulement la parole de Dieu qui peut prendre chair et vivre pendant 33 ans. Mais lorsqu'un esprit impur s'incarne, ce n'est que pour quelque temps parce qu'il ne peut s'incarner de manière permanente. C'est pourquoi la Bible dit, les fils des hommes, des fils de Dieu, représentant les démons qui étaient déchus, virent que les filles des hommes étaient belles, ils sont descendus, ont couché avec, mais ne sont pas restés. Amen. Ils ont seulement engendré des géants qui ont amené la méchanceté sur la terre, et c'est à cause même de cela qu'il y a eu le déluge, parce que le diable avait infecté la race humaine par des démons qui avaient couché avec des femmes, mais qui ne sont pas restés sur la terre de manière permanente comme Jésus, car seule la parole de Dieu peut s'incarner. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas s'incarner qu'ils ne peuvent pas pendant un temps prendre des formes. Et vous remarquez, certains, lorsqu'ils se dédoublent, celui qui n'est pas le vrai lui, se présente dans une émission, se présente dans un clip toujours en lunettes, parce que s'il enlève les lunettes, le regard qui est là, c'est un regard d'un démon. Tu vois, en pleine nuit, il n'y a même pas de soleil, toujours en lunettes. Toujours en lunettes, toujours en lunettes. Des fois, ce n'est pas lui. Et vous qui êtes derrière des musiciens de ce monde, tu ne sais pas quel est le jour où tu rencontreras son représentant. Vous qui aimez les musiciens de ce monde, tu couches avec lui, tu penses que tu couches avec un homme. Un païen en ce temps de la fin est en danger parce que quand quelqu'un pratique le dédoublement et tu rencontres l'autre, tu vas dans le bureau, il est par l'esprit pour un autre endroit. La Bible nous dit que Élie aussi, l'Esprit de Dieu le prenait d'un endroit à un autre. C'était physiquement. Mais maintenant, la lévitation satanique, c'est que toi-même, tu décides d'avoir un pouvoir où tu es ici et puis tu disparais, tu te retrouves à un autre endroit. Et il y a des gens qui pratiquent cela. Il est avec toi, tu fermes les yeux, tu ouvres, il n'est pas là. Certains bouddhistes arrivent à s'élever jusqu'à 1 mètre, amen, et puis ils retombent. Mais tout ça n'est que la contrefaçon de l'enlèvement de l'église, car nous quitterons le ciel pour la terre, et jamais nous ne retomberons, alléluia. Le diable est un imitateur. Il y a plus que la lévitation, il y a l'enlèvement de l'église, où ce n'est pas une personne, mais les morts en Christ ressusciteront premièrement, les vivants seront transformés, et tous nous élèverons vers le Seigneur. Tu n'as pas besoin de pratiquer la lévitation, il y a plus que la lévitation qui t'attend. Quitter le ciel, quitter la terre pour le ciel, et cela éternellement. Alléluia. La lévitation est différente du voyage astral, parce que dans le voyage astral, le corps, lui, il ne se déplace pas. C'est l'esprit qui se déplace.
dans la lévitation, c'est le corps lui-même qui se déplace. Mais Élie et Philippe n'ont jamais créé cela. C'est l'Esprit de Dieu qui décidait. C'est Dieu qui décidait. Ce ne sont pas eux-mêmes qui décidaient. Mais aujourd'hui, les gens veulent décider par eux-mêmes d'avoir cette capacité de quitter un endroit et de se retrouver à un autre. C'est de l'occultisme. Alléluia. Parlons du voyage astral, une pratique occulte. Le voyage astral, c'est le fait de quitter son corps en esprit, garder son âme dans son corps, son esprit sort au moyen d'un démon, afin que tu puisses aller là où tu veux et revenir quand tu veux dans ton corps, parce que selon la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, 23, l'homme a trois parties. L'homme a un corps, il possède une âme et il est un esprit. Dans le voyage astral, qu'est-ce qui se passe? L'occultiste dort ou se concentre, son âme ne le quitte pas, son âme reste en lui. C'est son esprit qui sort et qui va opérer des choses au nom de son âme. Et entre son esprit et son âme, il y a un démon qui permet cela. Ce qui fait que si il va dans un endroit où il y a la puissance de Dieu, deux choses arrivent. Soit il doit vite revenir dans son corps, ou son corps doit suivre son esprit là où il se trouve. S'il revient vite dans son corps et il revient mal, il peut mourir. C'est là que vous entendez quelqu'un qui est mort dans son sommeil. Ou si c'est son corps et son âme qui doivent rejoindre l'esprit, là où il était frappé par la puissance, c'est là que vous entendez qu'un sorcier est tombé sur le toit. Alléluia. Parce que les démons là qui maintient un contact entre l'âme et l'esprit est tellement fatigué qu'il doit lâcher comme un élastique. Et l'homme se retrouve en désordre dans un endroit. Mais mon Dieu ne fait pas de telles choses. Dieu ne peut pas t'humilier, tu tombes sur des toits comme un avion qui s'est crashé. Alléluia. Et le voyage astral aujourd'hui est enseigné dans les églises, prêché dans les églises. C'est maintenant une mode, pas seulement au Congo, partout maintenant. Il y a de plus en plus de serviteurs de Dieu qui témoignent et reconnaissent que eux, ils sortent. Quelque chose qui avant, si tu dis là, on prend une pierre, on te lapide, maintenant les gens disent, amen, quelle dimension surnaturelle, quelle dimension sorcellerique. Les fidèles d'aujourd'hui, je ne vous comprends plus. Il reste plus que quelqu'un puisse dire que moi je suis le vice du diable. Vous allez dire amen. C'est comme sur Facebook. Tu écris sur Facebook, mon père est mort. Les gens disent j'aime, 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 j'aime. Vous aimez quoi? Mon père est mort. Je suis malade. J'aime, 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 j'aime. On ne sait même plus j'aime veut dire quoi. Et on ne sait même plus « Amen » veut dire quoi. On ne sait même plus « Aller à l'église » veut dire quoi. Aller à l'église, on y va pour vivre, pas pour mourir. On va à l'église pour être initié aux choses de Dieu, pas à la sorcellerie. On ne dit pas « Amen » à tout. On ne croit pas en tout. N'ajoutez pas foi à tout esprit, car tout esprit ne vient pas de Dieu. Je vais vous donner les versets bibliques qui sont utilisés lorsqu'on vous enseigne le voyage astral et à la lumière de la Bible, nous allons les étudier. D'accord? D'accord? On dit dans 2 Rois 5, verset 26, un verset qu'on vous donne. 2 Rois 5, verset 26. Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. » C'est-à-dire que l'esprit d'Élisée contrôlait Géasi partout où il allait.
C'est-à-dire qu'Élisa avait la dimension, elle est chez lui à la maison, mais son esprit est en train de suivre Géasi partout. C'est ce que la Bible dit. Si j'ai un don de vision et je vois ce que tu fais chez toi à la maison, je peux te dire quoi? Mon esprit était là quand tu le faisais. Ce n'est pas que je me suis déplacé en esprit. Par le don de vision, j'ai pu voir. Alléluia. Ce qui a permis à Élisée de voir, ce n'était pas le fait qu'il avait quitté son corps, mais c'était un don de vision. Si je te vois chez toi à la maison, c'est pas que j'ai quitté mon corps, mais Dieu m'a montré. Ce n'est pas qu'il avait quitté son corps, le don de vision, de révélation, lui avait permis de voir son serviteur en train de prendre l'argent défendu. 1 Corinthiens 5, verset 3, un autre verset qu'on nous donne. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Un verset qu'on nous donne. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Pour dire que Paul n'était pas là, mais son esprit était dans l'église de Corinthe en train de juger les gens qui faisaient le mal. Non! Quand je suis à Kinshasa, et qu'on me donne le rapport d'une extension, je suis absent de corps, mais en esprit, je peux dire, telle chose ne le faites plus. Est-ce que je me suis déplacé? Parce que Paul ajoute toujours ce même terme dans Colossiens 2, verset 5. Pas pour juger, mais non pour encourager. Colossiens 2, verset 5. Il dit quoi? Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Si on me dit que dans notre noyau de France, toutes choses se passent bien, ils sont en train de prier, ils sont en train de veiller, qu'est-ce que je dirais? Même si physiquement je ne suis pas là, mon esprit se réjouit de ce qui se passe au milieu de vous. N'est-ce pas que même vous vous dites, je ne serai pas au culte aujourd'hui, mais je serai avec vous, hein? Obimaki. C'est ce que Paul dit, que même si physiquement je ne suis pas là, vous êtes en train de prier quelque part et je suis d'accord avec vous. C'est ça mon esprit. Je suis d'accord avec la prière que vous faites aux États-Unis. Quand vous priez pour le Congo aux États-Unis, je dis, je suis d'accord. Mon esprit est d'accord. Mais ce n'est pas que je suis aux États-Unis. Alléluia. Un autre verset qui nous est donné. 2 Corinthiens 12, verset 2 à 4. Ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Même Paul dit qu'il ne maîtrise pas ces choses-là du corps ou sortir. Paul lui-même. Et je sais que cet homme, si se fit dans son corps, ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a été ravi en esprit. Ravi en esprit, c'est quoi? Ce n'est pas ta volonté, c'est Dieu qui te prend. Mais ce n'est pas toi-même qui décide, maintenant je vais faire un tour. Et il dit quoi? Il y a 14 ans, lui l'apôtre Paul, et il n'y a point de formation à ce sujet. Amen. Je peux vivre des choses avec Dieu. Tu me demandes, pasteur, tu fais comment? Je te dis, je ne sais pas. On n'enseigne pas tout. Parce que nous-mêmes, Paul dit, je ne sais pas si c'était dans le corps ou dans l'esprit. Il reconnaît que dans ce domaine-là, il ne maîtrise pas. Et je ne peux pas venir te dire, mon frère, moi, quand je prie, j'ai des extases. Viens, je vais te montrer comment on est en extase. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de cours d'extase. Amen. Hein? Il n'y a pas de cours d'extase. S'il y a un cours d'extase dans l'église, c'est l'initiation à l'occultisme. Frères et sœurs, pourquoi est-ce que de telles choses sont arrivées dans les églises? C'est parce que le chrétien, en soif de surnaturel, ont oublié que le vrai surnaturel, c'est quoi?
C'est la conversion des âmes. Il n'y a pas un miracle qui dépasse le miracle d'un homme qui était dans le péché, qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit, il y a fait au ciel, pas quand un paralytique marche, pas quand un aveugle voit, pas quand un sourd entend, pas quand une église devienne grande, mais quand un seul pécheur se convertit. Pourquoi? C'est le plus grand surnaturel. Pourquoi des hommes comme Wesley Finney ont été puissamment utilisés? Ils cherchaient le plus grand miracle dans le jeûne, dans la prière. Convertir les âmes, prêcher et toute une nation bouge. Mais lorsque votre seule recherche en Dieu, c'est de vivre des choses, alors l'occultisme va venir. Lorsque tu cherches la conversion des âmes, Dieu te donnera les vrais miracles. Lorsque tu cherches le plus grand des miracles, alors Dieu va te donner les paralytiques qui vont réellement marcher. Lorsque tu cherches la vraie conversion des âmes, il va te donner les vrais morts qui vont ressusciter. Mais lorsque tu cherches le miracle pour le miracle, un esprit satanique va venir. C'est pourquoi, frères et sœurs, sachez que ces choses où les démons sortent des corps et prennent la forme des cancrelats, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce sont des choses qui sont faites pour votre soif de voir des choses. Un esprit qui prend la forme d'une souris. Pourquoi alors l'esprit de lion ne prend pas la forme d'un lion? Pourquoi l'esprit de crocodile ne prend pas la forme d'un crocodile? Pourquoi l'esprit de python ne prend pas la forme d'un python? Seulement les cancrelats, seulement les souris, seulement les petites choses. Ce n'est pas la parole de Dieu. Lorsque Paul a chassé l'esprit de python, on n'a pas vu l'esprit de python. Tu n'as pas besoin de vomir la viande pour dire que tu es délivré de la sorcellerie. Tu peux vomir une viande, le démon est toujours là. Le combat est spirituel. Le combat est spirituel. Les démons n'ont pas de chair et n'ont pas d'os. Mais pourquoi beaucoup de gens y vont? Parce que la soif de l'homme, c'est d'être impressionné. Et quand tu vas à l'église pour être impressionné, le diable va te donner des prédicateurs qui vont t'impressionner, mais qui ne vont pas t'amener au ciel. Les démons, lorsqu'on les chasse, sont des esprits. Et si il faudrait que des cancrelats commencent à sortir de tous les corps, il faut beaucoup de poubelles à l'église alors. Et comme je l'ai enseigné, les fils des dieux qui étaient des démons, lorsqu'ils sont venus pour coucher avec les filles des hommes, ils ne sont pas restés en permanence parce qu'un esprit ne peut s'incarner en permanence. Mais le cancrelat là, il fait 10 jours, 20 jours. Je n'ai pas peur des problèmes. N'ayez pas peur pour moi. Prêcher la parole, ce n'est pas faire un bon culte. Lorsque vous cherchez, au lieu de chercher Dieu en vérité, vous allez dans les églises maintenant comme dans des salles de spectacle, des salles de magie. On vous donnera toutes sortes de faux miracles. Et comme j'ai dit toujours, réfléchissez toujours quand vous allez à l'église. Réfléchissez toujours. Aujourd'hui, il y a maintenant un nouveau look, par exemple, de miracle. Je dis vraiment, pourquoi les gens, quand ils prient, ils ne sont plus intelligents? Faire grandir les mains des gens. Voyez comment je vais faire grandir mes mains. Voyez, regardez, regardez. Chacun de vous, faites ça. Fais ça, fais ça. Maintenant que la main droite commence à pousser, fais-la pousser. Elle a dépassé l'autre, hein. Un miracle. Et tout le monde, ah! Au niveau des mains, qu'est-ce qu'il y a? Des ligas, des ligaments. Les ligaments sont comme des élas. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que quelqu'un a grandi parce que sa main a passé l'autre. Parce que on a symbolé en haut ma casse, on a symbolé en haut. Ndeni baeba ke muta koli, baeba muta koli, avant sambele la ye, au tracé ligne, awa. Au sambele lié, a zongi, a dépassé ligne. Mais zate que na fandi na kiti, epsinga likolo moko boye. Mekana ndaku, omona moko ke memango boye, musu ye landa moninga po, o symbole yo, oyo symbolité. Mais chela nga ligne awa, na ye wana penza, okati,
osambeli na zongi na leki wana na koli eza pete na longola ki sapatu na ero latango Je crois que Dieu peut te faire grandir. Je crois que les mains peuvent pousser. Mais donnez-nous aussi le temps aussi de mettre notre intelligence. Pourquoi? Parce que là où il y a des vrais miracles, on n'évite pas les médecins. Les médecins doivent confirmer que le miracle a eu lieu. Si l'aveugle voit, le médecin doit dire que l'aveugle voit. Si le sourd entend, le médecin dit « Akomi koyoka ». Et c'était un miracle à ma canisse. Fibron et kei. Mais voici mon ouézakara. Hey, serait kei kei. Nous voulons les vrais miracles. Mais si vous voulez les vrais miracles, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et vous aurez les vrais miracles. Mais si vous cherchez les miracles pour les miracles, alors un feu étranger va venir. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Réfléchissez toujours, surtout en ce temps de la fin. Ce n'est pas que tu dois devenir incrédule, mais Dieu ne t'a pas donné la tête pour rien. Ce n'est pas seulement pour être beau, mais c'est pour penser. Que Dieu vous bénisse. Abondamment. www.casarema.fr